Alors que je teste énormément de casques sur ma chaîne, je reviens pas d'être passé à côté de la conduction osseuse et je me suis aperçu de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette technologie quand j'ai découvert le Aftershocks Aeropex sur Amazon avec ses 18 000 commentaires. Du coup, je me suis dit, il fallait absolument que je teste ça et ça tombe bien, j'ai la nouvelle génération. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Shocks Open Run. Allez, unboxons ensemble. Je comprends pas qu'on m'ait jamais demandé d'être en couverture d'une boîte. Pourtant, il a pas grand chose de plus que moi, ce mec-là. Et voilà la bête de seulement 26 grammes disposant d'un arceau ici développé en titane. Alors, enveloppé, bien sûr, d'une petite couche de caoutchouc pour le rendre plus agréable à porter au quotidien. Et évidemment, ce qui marque en plus de l'arceau qui paraît tout petit, c'est l'absence de conduit audio. Exit les écouteurs invasifs qu'il faut mettre à l'intérieur du pavillon de l'oreille. Vous avez ici ces petits éléments-là qui seront plaqués contre vos tempes, comme sur le gars derrière, et le son sera véhiculé par vibration à travers la mâchoire. Et c'est vraiment génial en matière de sensations, notamment pour tous les allergiques au casque intra que vous devez rentrer ici à l'intérieur de l'oreille, pour tous les sportifs, et puis tous ceux qui courent notamment en extérieur, puisque le casque est certifié IP67, c'est-à-dire qu'il résiste aux projections d'eau, aux éclaboussures, à l'appui, à la transpiration. D'un point de vue fonctionnel, vous allez retrouver ici différents boutons d'action, le bouton d'allumage, de réglage de volume, plus moins, qui sont assez rapprochés l'un de l'autre d'ailleurs. Ici, vous avez la prise de chargement propriétaire, donc qui est fournie, mais il faudra éviter de la perdre. Un bouton multifonction sur ce qu'on pourrait appeler l'écouteur en lui-même, et une entrée micro, j'en ai noté qu'une seule. L'ensemble est livré avec une housse de protection, une notice d'utilisation, mais de toute façon, vous m'avez moi pour ça. À cet instant, j'ai déjà effectué le test, donc le casque est déjà appairé sur mon smartphone. Suffit d'appuyer sur le petit bouton power qui se trouve juste ici pour l'allumer, d'aller dans les paramètres Bluetooth, il va être détecté automatiquement que vous soyez sur Android ou iOS. Là, vous pouvez voir, il s'est réappairé directement à mon téléphone immédiatement. Pour les plus techniques, le flux audio est envoyé en SBC, vous retrouvez bien sûr l'information de la batterie restante. J'allais vous dire que la mise à l'oreille du casque est sensationnelle, mais non, c'est pas le bon mot, puisqu'il n'y a absolument aucune sensation. Le casque est ultra léger, il n'émet absolument aucun point de pression, que ce soit sur mes oreilles ou sur mes tempes. Regardez ce que ça donne d'un peu plus près, c'est un décoté absolument génial de ce genre de casque. Il n'y a aucune pression sur le pavillon de l'oreille, aucune pression sur les tempes, ça se ressent à peine. Le casque est souple et pourtant il est bien maintenu. Il fait partie de ces produits pour lesquels j'aimerais que vous soyez là avec moi pour pouvoir le tester, pour pouvoir ressentir les sensations. Je vais essayer de vous décrire les choses au mieux, mais c'est clairement très agréable à porter. C'est très agréable de ne rien avoir à l'intérieur de l'oreille, de rien avoir qui chauffe aussi autour de l'oreille, comme les casques Supra. Et pour ceux qui vous posez la question concernant l'arceau que vous avez ici à l'arrière, si jamais je me mets contre mon fauteuil, l'arceau ne touche pas, il n'y a absolument aucune pression. Par contre, si je me mets comme ça dans mon lit, évidemment, là, ça va pas être le même effet. D'un point de vue fonctionnel, il y a absolument tout le nécessaire à l'intérieur de ce casque. Sur la partie droite, vous allez retrouver alors les boutons qui vous permettent de régler le volume sonore. Vous voyez, je le fais directement en live. Le bouton d'allumage, évidemment, aussi. Sur la partie gauche, ici, au niveau des tempes, vous avez un bouton supplémentaire multifonction qui vous permet de mettre les musiques sur pause directement, alors que ce soit là, sur YouTube ou sur l'application que vous utilisez habituellement. Si vous appuyez deux fois, vous passez à la piste suivante. Évidemment, il n'y a pas de piste précédente puisqu'il n'y a pas deux boutons. Alors, on aurait pu l'avoir éventuellement en appuyant trois fois, mais c'est pas le cas. Si vous restez appuyé longtemps, vous avez Google Play. Lance Katy Perry Roar sur YouTube. Merci à ceux qui m'ont donné la fonction Lance Katy Perry pour le coup, ça fonctionne bien. J'imagine que ce qui vous intéresse maintenant, c'est la partie sensation. La première sensation, alors quand vous lancez YouTube, vous allez la voir via les publicités et les voix sont extrêmement bien retranscrites. C'est très étonnant en fait de ne pas avoir d'écouteurs directement à l'intérieur du pavillon de l'oreille et pourtant d'entendre les voix extrêmement clairement, et c'est un des points forts de ce casque, les voix sont super bien retranscrites. Pour regarder la télévision, pour regarder des films, c'est super agréable. Côté basse, il n'y a pas de miracle, les casques à conduction osseuse n'ont pas la même retranscription des basses évidemment que les casques intra ou les casques extra qui sont quand même nettement supérieurs. Vous n'avez pas une véritable sensation de basse à l'intérieur des oreilles malheureusement. Ça reste motivant pour des sessions de sport. Ah bon, j'ai pas pris forcément la bonne musique pour illustrer le sport. Mais si vous voulez vous mettre Bob Jackson par derrière, effectivement vous pourrez quand même avoir un peu d'ambiance dans les oreilles pour vous motiver. Mais il manque quand même le boom qu'on a envie d'entendre, bien sûr, avec un casque. Faut vous dire que la conduction osseuse n'est pas faite pour ça. J'avais une vraie crainte concernant le volume sonore qui a été totalement dissipé par ces écouteurs. Le volume sonore peut monter relativement haut, suffisamment pour que vous puissiez utiliser les écouteurs en extérieur et ne pas vous sentir trop dérangé par le bruit ambiant. Par contre, si vous mettez le volume sonore au niveau maximum, que vous êtes dans un bureau avec des collègues autour, vos collègues entendront la musique, ce qui ne sera pas le cas si vous êtes dans une salle de sport. Si vous êtes en extérieur, normalement, ça ne devrait déranger personne. Lorsque je mets le volume sonore sur mon téléphone au-delà de 80%,
on ressent un petit chatouillis ici au niveau des tempes, au niveau de l'endroit où la conduction osseuse est réalisée, puisque le principe des écouteurs est de vibrer pour transmettre le son par vibration. On ressent légèrement ces vibrations. Au début, ça fait un petit peu étrange, mais très vite, on l'oublie. Et cette notion d'oubli, notamment en position assise, là comme ça, en train de bosser sur mon ordinateur, et un des éléments, on va dire, les plus fondamentaux de ce casque, les plus géniaux, vous l'oubliez totalement, il n'y a aucune sensation de pression, aucune sensation de tiraillement sur les poils liés au caoutchouc, aucune sensation, ben voilà, de pénétration du casque à l'intérieur du conduit auditif. Ce casque, vous l'oubliez, peu importe que vous l'utilisiez ou non, là je l'ai mis sans musique pour pouvoir parler directement à la caméra, et je n'ai absolument pas la sensation d'avoir le casque sur mes oreilles, au point qu'il est totalement possible de l'oublier. Ce format-là a aussi une autre vertu, si jamais vous l'utilisez au bureau, c'est d'avoir l'oreille toujours disponible pour pouvoir discuter avec un collègue. Par contre, il a le défaut de sa qualité, vos oreilles étant intégralement dégagées, vous entendrez tous les bruits en provenance de l'extérieur. Ce qui m'a étonné, c'est que la musique est toujours extrêmement bien véhiculée par le casque, même en étant en extérieur. J'avais un peu peur d'entendre les bruits parasites, notamment de la circulation automobile, et de moins entendre la musique, mais non, il est non seulement possible de s'immerger dans sa musique avec le casque, mais en plus d'entendre la circulation, parce que mine de rien, c'est quand même assez important, mais sans avoir la sensation que ça vient parasiter la qualité d'écoute. Ça, c'est cool. Côté tenue, le casque absolument parfait. Il ne saute absolument pas lorsque je cours. Il est extrêmement bien maintenu. C'est super agréable à porter. Normalement, le son là que vous entendez dans la vidéo, c'est le son qui est véhiculé par le casque, puisque je filme avec mon téléphone, avec le casque branché en Bluetooth dessus. Au niveau sportif, c'est vraiment une réussite totale. Les écouteurs sont super agréables à porter. Comme je vous le disais, ils ne bougent pas, ils ne sautent pas. Seul petit reproche éventuellement à leur faire, la proximité des boutons plus ou moins, qui les rend assez difficiles à manipuler pendant la course. Mais bon, normalement, une fois que c'est réglé, c'est réglé. Allez, c'est parti pour mon test rituel d'appel téléphonique. Donc j'ai mis le casque contre le micro, et normalement, c'est les vibrations du micro qui devraient générer du son dans le casque. J'espère que vous allez entendre. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon alors, tu m'entends bien? Je t'entends très bien, pas quasiment, ça ne s'accade pas, juste parfait. Bon bah nickel, t'as abrégé ma vidéo là, en quelques secondes. J'ai découvert au moins deux nouveaux mondes avec ce casque. Bien sûr, il y a la conduction osseuse sur laquelle on reviendra dans un instant, mais surtout l'univers des sensations. Ce casque, une fois que vous l'avez mis ici autour de votre oreille, au-dessus de votre oreille, vous l'oubliez intégralement. Si vous ne mettez pas de musique, vous pouvez le porter pendant des heures et vous ne vous en apercevez même pas. Vous en apercevrez au moment du coucher, au moment de vous allonger, où effectivement l'arceau touchera votre coussin. Mais à part ça, le casque n'offre quasiment aucune sensation. Il est posé sur les oreilles, s'oublie intégralement. Pour tous les allergiques aux écouteurs intra, aux écouteurs extra, aux supra, franchement, c'est la véritable révolution. En tout cas, c'est ce que moi je considère comme étant la révolution en plus de la conduction osseuse. La technologie de conduction osseuse n'est pas nouvelle, mais elle a été largement améliorée. Je me suis pas mal documenté sur internet parce que c'est mon premier casque que je teste à conduction osseuse. Et pour moi, on est clairement ici sur un produit fini, un produit de bonne qualité qui offre un niveau de puissance sonore qui m'a quand même pas mal étonné, étant donné que on n'a pas de casque intra, on n'a pas le son qui est envoyé directement dans le conduit auditif. J'arrive quand même à obtenir un niveau de puissance avec ce casque qui est plus que satisfaisant, qui vous permettra d'écouter en intérieur, en extérieur, en faisant du sport, et de vous sentir à l'aise quasiment en toute situation. Je pense qu'à part le train ou le métro, où vous pouvez le prendre à défaut, la puissance sonore est largement suffisante pour quasiment tous les types d'utilisation, tous les types d'environnement. Au niveau audio, il y a un petit effet waouh, parce que forcément, vous allez vous demander, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Un casque qui ne touche pas du tout mon oreille, est-ce que ça va véhiculer le son? Et là, vous vous apercevez que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien, alors dans certaines plages de fréquence, évidemment, notamment dans les médiums, dans les voix, c'est extrêmement propre, c'est extrêmement clair, et je m'attendais pas à ce niveau de clarté. Évidemment, il y aura moins de graves, il y aura moins de basses avec ce genre de casque que ce que vous auriez avec des intra, on va dire classique. L'objectif de conception de ce casque, c'est de vous offrir une certaine forme de liberté dans la pratique du sport, avec un casque qui tient bien sur vos oreilles, qui s'adapte à toutes les morphologies, qui n'émet aucune pression, qui est agréable à porter au quotidien, qui n'émet aucune vibration lorsque vous courez. Il est super agréable quasiment en toute situation, et surtout, vous n'aurez pas à refixer ou avoir peur que votre oreillette tombe systématiquement, surtout lorsque vous courez, lorsque vous prenez des points d'appui, ce qui arrive assez fréquemment avec des casques qui ne sont pas toujours spécialisés dans la pratique du sport. À
Ajoutez à cela une bonne autonomie qui va fluctuer bien sûr en fonction du niveau de puissance que vous allez utiliser, je dirais entre 6h30 et 8h, 6h30 si jamais vous mettez le niveau de puissance sonore au maximum, et 8h éventuellement si vous êtes plutôt utilisateur comme ça en environnement sans aucun bruit, vous n'avez pas forcément besoin de mettre le son à fond, et c'est un des gros avantages de ce casque par rapport à d'autres technologies, notamment à Air que j'ai pu déjà tester sur ma chaîne, et qui nécessite quand même d'être quasiment systématiquement à 100% de puissance pour pouvoir véhiculer le son. Ici, la conduction osseuse, j'avoue, fonctionne assez remarquablement bien. Je m'attendais pas à un tel niveau de puissance sonore à l'intérieur du casque. Au global, il est plus que recommandable, alors que ce soit pour la pratique du sport ou pour les allergiques à l'utilisation de casques intra ou extra, il est vraiment génial comme alternative. Je vous mets les liens de l'ancienne et de la nouvelle génération directement dans la description de cette vidéo. L'ancienne génération va vous permettre, au travers des 18 000 commentaires sur Amazon, de vous faire peut-être une idée plus précise que ce que j'ai pu dire à l'intérieur de cette vidéo. J'espère néanmoins avoir tout bien retranscrit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez un message à me laisser ou un commentaire, une question à propos de ce casque, vous pouvez me le laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut !